Nous vous avons concocté des infos spéciales. Nos vieux sont formidables. Et vous allez voir que sincèrement, c'est du très très lourd. C'est parti. Lune aujourd'hui en France, direction la Russie. Je souhaiterais vous parler d'Ala Ilinchina. Elle a 89 ans. Elle vient de recevoir un prix prestigieux. Un prix qui récompense ses talents professionnels. Mais quelle profession exerce-t-elle toujours? Réputés, mais qui ne sont pas forcément les meilleurs de France, si l'on en croit le classement qui a été publié aujourd'hui. Un classement qui prend en compte pas seulement le taux de réussite des élèves au bac, mais la valeur ajoutée des établissements. Autrement dit, le fait qu'ils fassent vraiment progresser les lycéens, quel que soit leur niveau de départ. Alors on ne va pas donner toute la liste, le classement est sur internet, mais parmi la cinquantaine de lycées particulièrement performants, il y a le lycée Louise Michel de Bobigny. Fabienne Berthaud en est la proviseure. Pour elle, la clé, ce sont d'une part des enseignants motivés et des assistants pédagogiques pour faire du soutien individuel. Ils sont là de 8h à 18h du lundi au vendredi. Alors ils ont chacun, ce sont des étudiants, donc en fait il y en a qui sont plus spécialisés en mathématiques, d'autres en lettres, d'autres en langue, d'autres en sciences de gestion, etc. Et donc entre les emplois du temps des élèves, c'est le travail de la collègue qui chapeaute ce dispositif, de trouver entre l'emploi du temps des élèves un créneau sur lequel il va pouvoir toutes les semaines venir travailler. Et c'est cette régularité-là aussi qui aide les élèves et surtout qui leur fait comprendre que quand on fait quelque chose de manière régulière et répétée, au bout d'un moment, ça prend ses fruits, ça sert et ça va mieux. Fabienne Berthaud, proviseur du lycée Louise Michel de Bobigny, au micro Europe 1 d'Anne Le Gall. Merci beaucoup, c'était François Geffry. On vous retrouve dans un instant pour le rappel des titres. Vous nous ferez un nouveau point sur cet attentat à Londres qui a fait un mort et une dizaine de blessés, dont 3 lycéens blessés. Tout de suite, la météo. Christine Peña, demain, le temps est particulièrement maussade. Oui, des nuages partout, hein, des averses fréquentes, des orages parfois. Alors, il y en aura peut-être en Bretagne, sur le Poitou, l'Est parisien ou encore la Franche-Comté du côté du Lyonnais. Et ils seront désorganisés. Là où ils seront vraiment organisés, c'est en Méditerranée. D'ailleurs, on attend un épisode de fortes intempéries en Méditerranée. Des orages donc violents avec des rafales de vent et parfois même de la grêle. Un peu de neige en montagne, ça c'est pour l'Auvergne et les Alpes. Et puis, que va-t-il se passer petit à petit? Eh bien, le mauvais temps va vraiment glisser dans le sud et il va se fixer, il va stagner au sud du pays. Nous avons un anticyclone qui devrait s'installer sur les îles britanniques en fin de semaine. Alors vous savez, il est synonyme de beau temps. On n'aura pas un vrai beau temps, toujours des nuages, mais en tout cas un temps plus sec, plus calme et beaucoup plus doux avec le retour de quelques rayons de soleil sur la moitié nord. Les précipitations, donc, elles ne concerneront plus que le sud avec pas mal de neige. Je sais que vous êtes amateur de ski à Font-Romeu et à Bagnères-de-Luchon. On attend pas mal de neige entre vendredi et ce week-end. Et bien, tant mieux pour cette station de Font-Romeu, de Bagnères-de-Luchon. Les températures? Eh bien, c'est contrasté, hein. On a encore de l'air doux du côté de Lyon. Il fera jusqu'à 17 degrés demain après-midi, 18 à Strasbourg comme à Marseille, alors qu'à l'ouest, il fait frais. 10 degrés, pas plus, à La Rochelle et 11 du côté de Bordeaux. Merci beaucoup. C'était Christine Peña. Le rappel des titres dans 2 minutes. 18h, 20h, Europe Soir. Proximité. Ce qui caractérise les 8 banques du groupe Crédit du Nord, c'est véritablement ça. Et puis nous proposons un accompagnement complet au plus près des besoins des entreprises et de leurs dirigeants. C'est-à-dire que vous pouvez accompagner les entreprises sur le long terme? Oui, oui, exactement. Nous apportons des solutions tout au long du cycle d'activité des entreprises. Nous sommes à leur côté pour soutenir leur croissance, leur développement. Et nous proposons également des solutions adaptées en ingénierie patrimoniale, capital investissement ou encore en opération de marché. Et pour ça, bien sûr, votre régionalisation, c'est un vrai plus. Oui, un vrai plus parce que nos banques régionales fonctionnent comme de véritables PME avec des circuits courts de décision et une forte réactivité. Et nous aussi, nous sommes des entreprises régionales. Merci beaucoup, Laurence Lafont. Merci. Pour en savoir plus, rendez-vous sur plusloinavecvous.creditdunord.fr. Pour les prix et pour les cours, c'est vu co. Pour profiter d'une promo, c'est vu co. Jusqu'au 22 avril, pour l'achat de pneus Dunlop au Goodyear, vous avez le choix, jusqu'à 80€ de remise immédiate ou jusqu'à 160€ en bon d'achat. Détails dans les points de vente et sur vulco.com. Offre soumise à condition. Suite à un sondage réalisé par le magazine Capital auprès de 20 000 consommateurs, Vulco a obtenu la première place du service 2017 dans la catégorie centre auto, garage, pneumatique. C'est le moment idéal pour découvrir le monde avec Turkish Airlines. Réservez votre vol
tamis à partir de 329 euros. Les Seychelles à partir de 555 euros. Téhéran à partir de 259 euros. Et Yaoundé à partir de 469 euros. Tarif TTC. Pour plus de détails, connectez-vous sur notre site turkishairlines.com. Turkish Airlines, élargissez vos horizons. Widen your world. Besoin d'une nouvelle voiture? La voiture de Jean-Luc est faite pour vous. Profitez du paysage grâce à ses vitres transparentes et d'une multitude d'options. Clim refroidissante, toit imperméable, plus un coffre. Contactez-moi au 07 53 46 99 32. Faites plutôt confiance à un réseau d'experts. Jusqu'au 31 mars, dans le réseau d'Asvelta Auto, profitez d'un crédit exceptionnel. Un crédit vous engagé doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Offre de crédit réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation de Volkswagen Bank. D'Asvelta Auto, les occasions garanties du groupe Volkswagen. Détails de l'offre sur dasveltaauto.fr. Mmh. Il est 18h30, le rappel des titres, François Geffrier. Une attaque terroriste en plein cœur de Londres cet après-midi. Il y a un mort, une femme tuée et une dizaine de blessés. Une voiture bélier a foncé sur des piétons sur le pont de Westminster, juste devant le Parlement britannique. Puis un homme en est sorti et s'est lancé sur des policiers. Il a attaqué l'un d'entre eux avec un couteau avant d'être abattu par les autres policiers. La première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, était à l'intérieur du bâtiment. Elle a été exfiltrée. Les députés... Right now, blow a little something.